Bon dia les gars, t'as tout de même. Bienvenue dans cette vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce mois. Toujours, on est chaud. Les fêtes de fin d'année qui approchent, on veut trouver les bons arguments. Marco est là, étudiant en nutrition végétale, activiste pour les animaux. Je vais vous donner, comme d'habitude, les deux méthodes. La première méthode, lorsque l'on est en public, que c'est l'heure de faire les shows et de fermer des bouches, Et dans la deuxième partie, on verra lorsque l'on est en privé et qu'on veut apporter une solution plus intelligente. La remarque du jour, c'est bien entendu, ok, ça ne sert à rien du tout d'être vegan, ok? Rien. Ça sert tellement à rien que de plus en plus d'endroits proposent des options végétales. T'as raison, ça sert à rien du tout de se revendiquer vegan. J'en étais sûr. Par contre, apporter une solution pour en finir avec la maltraitance des animaux, ça c'est utile, ma mène. Ouais. Ah ouais, tellement. Ah ouais. Et du coup, ça passe par notre assiette. Donc quelqu'un qui prend une option végétale, chaque jour, trois fois par jour, sur l'année, c'est énorme. Et en plus, il met son stop à des entreprises. C'est comme s'il mettait son droit de vote, il met son non à des entreprises qui exploitent les animaux pour en faire du profit. Ouais. Donc ça fait une grosse différence sur l'année. Surtout si on réplique ça à des millions de personnes. Ouais, t'as raison, je réduirais bien un petit peu déjà. Ouais. Tu vois, ça serait super. Une personne en inspire quelques-unes. Quelques-unes en inspirent beaucoup. Et beaucoup changent le monde. C'est beau, putain. C'est beau. En CNV, on demanderait plutôt, qu'est-ce qui fait d'après toi que ce mouvement est grandissant au sein de nos sociétés, qu'on en parle de plus en plus dans ce cas? De par lui-même, du coup, il réfléchirait aux valeurs qui définissent le véganisme. Et il dirait, ok, bah, pourquoi ça grandit? Peut-être parce que c'est parce qu'il propose... c'est peut-être parce qu'il parle de bien-être animal, il parle de ci, il parle de ça, ok, c'est pour ça que ça fait tilt chez les gens. Et ça, normalement, ça va venir de lui-même, ok? Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo parce que vraiment, c'est une formation que j'ai suivie par un activiste qui a 10 ans de bouteille et c'est tout simplement une des meilleures formations que j'ai faites cette année et que je pense qui est très, très, très importante et qui va être un investissement incroyable pour toute ta vie. Tu vas mettre fin aux conflits relationnels, tu vas mettre fin à un vocabulaire un petit peu hasardeux parfois et ça va vraiment changer ta vie. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, à t'abonner, à liker, à partager et à me dire si cette vidéo t'a plu. Et passe bien sûr une bonne journée!